Alors, ce soir, c'est la marée en direct. Franchement, c'est beau. Pour Jacques, pipi pipi. C'est pas grave. Et dis-toi, qu'est-ce que t'as rencontré là-bas? Dis-toi qu'il vient, qui était brutal, qu'est-ce que t'as rencontré? Dis-moi, j'ai rencontré un Africain du bord. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux couper? Bah, il dit, je veux pas marquer ma mise de bord. J'étais content, putain, j'étais saisi, j'étais heureux. Je sais pas. Il dit, on va où? Bah, chez moi. Il est arrivé chez moi, le con, il avait des menottes. Tac, il m'a attaché le pied droit. Tac, il m'a attaché le pied gauche. Il m'a attaché la main droite, il m'a attaché la main gauche. Et alors, il m'a piqué ma télévision, mon maillot de sport. Je suis désolé, je vais pas faire la collecte. Ça s'enlève. Ça s'enlève. Côté. Côté du. Ah, t'as pas mis des lunettes? Enlève-moi ça. Elle veut faire la jeune encore. Le mal touché. Alors donc, là. Là, je suis en train de voir. Il était mal bouché, ça c'est sûr. Dans une maison, en courant au bout de 2 kilomètres. Tout est allumé dans cette maison, frappe à la porte, personne ne répond. Il court vers la fenêtre, se penche à la fenêtre, et aperçoit un couple. Monsieur, madame, tous les deux sont nus. Merde, qu'est-ce que je fais là? Ils vont me dépanner, c'est pas possible. Il dit, c'est allumé, il m'attend pas. Vous m'entendez? Ils sont toujours aussi nus. Et là, elle a un doigt sur le calendrier, sur le journée du lendemain, avec sa main sur la foufoune. Et lui, il y a l'aquarium, il a un doigt dans le cul, et la main dans l'aquarium. Il prend peur, il se sauve, il court à la ferme suivante 2 kilomètres. Il arrive, il frappe. S'il vous plaît, vous pouvez m'ouvrir? Je suis en panne de voiture. Qu'est-ce qui vous arrive, mon brave? Et qu'est-ce qui vous arrive, mon brave? Et putain, je suis en panne de voiture, je sais pas ce que j'ai. Ça fait 2 km, 4 km que je cours, j'étais à la ferme en bas. Je sais pas ce que j'ai, ils sont nus, ils sont dans l'avion, ils ont voulu vous répondre, essayez ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, voilà. Je suis arrivé, elle avait la main sur le calendrier, puis la journée du lendemain, l'autre main sur la foufoule, lui a donné un cul, et l'autre main dans l'aquarium. Il dit, j'ai compris. Vous êtes allé chez les souris muets en bas. Je les connais. Et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce bordel? Je comprends rien. Elle dit, oui, vous n'avez pas compris. Elle lui dit, demain, c'est la journée du lendemain, tu vas tomber la pelouse. Il lui a dit, demain, tu peux te faire enculer, je te la paix. Et alors? Tiens donc, voilà un Français qui arrive. Et le Français lui dit, bonjour messieurs, je suis dans une région superbe. Ça vous plaît notre région à tout? Ah, il dit oui, c'est magnifique. Vous vivez dans un endroit superbe. Ben il dit, vous allez boire un coup. Qu'est-ce que vous prenez? Ben il dit, je prends un pastis.
faire un pastis. Il boit son pastis. Il dit merci messieurs, c'est super, je suis loin de chez moi. Ben dis donc, il est sympa le français. Le lendemain, ils sont là tous les deux, Julien, Ernest, il boit blanc. Quelqu'un, le français qui arrive. Bonjour, Miss. Comment t'allez-vous? Ah, il dit, je vais super bien, je vais te faire dormir. Ben, qu'est-ce que vous prenez? Ben, il dit, je prends un pastis. Et son pastis, et ça va. Ben, il dit, dis donc, le français, il est radin. C'est pas une même pareille. Demain, s'il vient, il lui fait la gueule. Il dit, tout le monde. La nuit arrive, ils sont tous les deux, Miss et Ernest. Il dit, tiens, le français. On va pas le déposer. Et le français, il arrive, il dit bonjour messieurs. Les garçons, s'il vous plaît, un grand verre d'eau. Oh, t'es ravi. Tu te rends compte, regarde ce qu'il fait avec son doigt, il fait des gestes sur son verre. Et il est con, ce français. Il dit bonjour, comment ça va? Ben, il dit je vais très très bien. Ben, il dit qu'est-ce que vous faites? Il dit voyez bien, je pêche. Vous êtes sûr? Ben oui, je pêche. Il dit qu'est-ce que vous prenez? Ben, un pastis. Super! Tu es le camarade, avec les goûts qui prennent en mer. Tu es le camarade, avec les goûts qui prennent en mer. Je vous signale quand même que... Mais quand tu rentres dans le cul, que c'est un colloque international. Sérina, si tu m'aimais, tu me ferais les nouilles. Sérina, si tu m'aimais, tu me ferais les nouilles. Et pendant que nous cuirais, tu me les chatouillerais. Pour une moto, en changeant de vitesse, il est sec que l'autre s'est fait. Ils ont des apéros, vive la Bretagne, vive les apéros, vive les bretons. Mon grand-père et ma grand-mère ont la vie de coucher nu. Ma grand-mère est carnassière, elle a pas envie de faire au cul. Ils ont des apéros, vive la Bretagne, ils ont des apéros, vive les bretons. Alors, de ma grand-mère, j'étais devant, Il y a un cortège. Oh là, le cortège. Oh,
rap. Demain, c'est bien.